Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode sur Borderlands 3. Donc eh bien, écoutez, on va voir un peu ce qui va se passer. On est donc dans cet endroit où on doit récupérer un fragment de la clé de l'arche. Je préfère te le dire avant que je l'explique à Lilith. Si j'ai pris Ava comme apprentie, c'est pour une bonne raison. Elle va devenir une sirène. Un jour. Et je veux être sûre qu'elle sera prête quand ça viendra. On se retrouve là-haut, chasseur de l'arche. Retour sur Sanctuary. C'est parti. Je me demande ce qui va se passer maintenant. On a fini donc Athénas. On revient sur Sanctuary. Il risque d'y avoir du lourd, je vous le dis. Du très 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 lourd. J'ai hâte de savoir, sachant que je sais qu'il y a d'autres. Enfin, il y a au moins une autre planète minimum, ça c'est sûr et certain. Alors, dis-nous tout. Lilith m'a dit que vous aviez trouvé un fragment de la clé de l'arche. Apportez-moi ça, je vais le garder pendant que vous crapahutez en quête des autres morceaux. Bonjour, humaine semi-adulte. Je suis. Non, c'est plus haut. Il est impressionnant ce vaisseau, la taille qu'il fait. Un autre fragment de la clé de l'arche. Rien qu'à le sentir dans ma main, ça me retourne l'estomac. Il faut dire aussi que j'ai mangé un vieux burrito de Marcus. Si vous vous posez la question, non, ce n'est pas la clé complète. Les Iridiens ont eu l'idée farfelue de scinder leur clé en fragments. Et celle de Condor était en trois parties. Enfin, c'est un début. Retournez voir Lilith. Je suis sûre que Maya et elle ont des milliers de choses à se raconter, comme tous ces gens qui ont une vie sociale. Quelle horreur. Je préfère mille fois une chambre stérile remplie de matériel chirurgical. Comment ça, une apprentie sirène ? Je peux pas t'expliquer maintenant, Lilith, mais un jour, elle va devenir une sirène. On en reparlera plus tard. Ah, salut. Maya me dit que t'as fait un super boulot. Oh, c'est gentil de sa part. J'ai vraiment tout donné dans ce combat. Je veux bien le croire. Bon, on a un fragment, plus que deux. Bon, alors qu'est-ce qui se passe, Lilith? Pourquoi Maliwan est sur Athénas? Ça fait des générations qu'on garde le secret pour notre fragment. Comment ils ont fait pour le découvrir? Je sais pas trop, mais les Calypso ont l'air d'en savoir plus sur les Arches que nous tous ici, même Tanis. Ils savaient pour la carte des Arches. Ils ont peut-être dit à Maliwan d'envahir Athénas. D'après ce qu'ils disent, ils cherchent la Grande Arche. Et l'Arche de Prométhée doit faire partie de leur plan. Il faut qu'on la trouve avant eux. Promis, Faucon Ardent. Ça fait longtemps que plus personne m'appelle comme ça. Lilith, ça fait un bail. Alors, tout roule ? Waouh, sympa la moustache. Ah, merci, c'est ma moustache de guerre. Écoutez, je vais devoir vous demander un petit coup de main. Katagawa a installé un laser sur un astéroïde et il le pointe sur le QG d'Atlas. Il menace de me couper en deux si je ne me rends pas. Je suis en train de flipper là. Je fais un câble. Oh, et d'après Zéro, le laser serait alimenté par un fragment de clé. N'en dis pas plus, alors... on arrive. Ah, là on parle. Vive les alliés. Terminé. Descends à la surface et va aider Rhys avec son laser. J'espère que Rhys sait ce qu'il fait. Lilith dit qu'on peut compter sur lui, mais moi je fais pas confiance au moustachu. C'est la base. Ok, donc on doit aller donc, où en fait? Pour tes tatouages. Tu veux qu'on en parle? Au métroplex de... Ah bah oui. Écoute, non, pas trop. Y'a rien à dire. Compris. C'est ici. Bon, je vais aller m'installer un peu. Ça fait du bien de retrouver Sanctuary, quelle que soit la version. Ce qui est assez énorme, c'est qu'on se dirige vers la planète et que je peux marcher dans le vaisseau en même temps. C'est pas oufissime ça? Bon, j'ai oublié où était le raccourci, donc c'est pas grave, on va faire comme ça. En même temps, j'aurais pu faire différemment. Hé,
quand tu pourras, ok? Alors déjà, premièrement, il y a une quête, donc je vais la prendre. J'ai une mission que je pourrais faire moi-même, mais j'ai un peu la flemme. Chasseur de l'Arche, j'ai une mission pour toi. Top priorité, puis... Voilà, Prométhée. Métroplex. Et en fait, on va aller là où je vous avais dit que je pouvais pas encore y aller. On va aller dans le QG d'Atlas. Donc si j'ai bonne mémoire, le QG d'Atlas, il est là-haut. Normalement, il est ici. Donc évidemment, on va y aller en voiture. D'ailleurs, si vous saviez le nombre de voitures que j'ai débloquées, de nouvelles voitures, j'ai découvert 2 ou 3 nouvelles voitures et un nouveau booster. Donc du coup, c'est plutôt sympa. Et là, justement, bon, j'ai quand même gardé celle qui est ronde, là, parce que je trouve qu'elle est pratique. Même pour attaquer, elle est très pratique, puisque les armes se déplacent dessus. En revanche, j'ai mis le nouveau booster, puisqu'il permet d'aller 3 fois plus vite quand on met le boost, du coup. Donc c'est vraiment génial. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre que j'aurais peut-être oublié de vous dire Bon, après, dans l'immédiat, rien. On va juste voir un peu ce qui va se passer là. Au QG d'Atlas. Et c'est parti. Allez, on va se faire une petite arche. On se retrouve à la plateforme 7. Maliwan surveille constamment le laser. Ton module d'atterrissage passe. Ah non. Ils veulent pas que j'aille au QG d'Atlas, apparemment. Ils veulent que j'aille... Alors là, pareil, j'y étais. Ici, c'est fermé. En revanche, ici, il y avait un aéronef, mais en mode camouflage. Jamais leur sécurité. Mais j'ai un vaisseau Atlas ultra moderne, avec fonction camouflage. Et ben voilà. On va voler jusqu'à la plateforme orbitale et détruire le laser avant que Katagawa puisse comprendre ce qui se passe. Et Katagawa, faut savoir qu'en fait, j'ai sauvé sa sœur. Et elle m'a dit, si tu peux tirer une balle dans la tête de mon frère, ça m'arrangerait. Tu fabriques ta propre clé de l'Arche ? C'est marrant, tu sais ce qu'on fabrique, nous ? Une vague sans fin de fidèles à soi. Fait de sang, qui balaye toute la galaxie en massacrant tout en notre nom. Je te dis ça comme ça. Si jamais tu veux suivre, je te conseille de passer plus de temps à recruter au lieu d'astiquer tes flingues. Eh ouais, c'est ça la stratégie, les minables. Ah tiens, regarde ! Pendant qu'on discutait, j'ai encore un millier de bandits en plus qui ont choisi de me suivre. Et ça tombe bien, j'ai un petit creux. Vous voyez, là, c'est fermé, impossible d'y accéder. Et son vaisseau, il est là. Ah, t'as réussi ? Mon vaisseau est là. Vive le camouflage d'Atlas, ma poule. Par là ! Non, 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 non ! Katagawa ! Rhys, mon pote. Alors, t'as pris le temps de réfléchir à cette histoire de reddition ou t'as besoin d'une autre pichenette d'amour à coup de laser pour t'aider à te décider ? Va te faire foutre ! Quand tu seras prêt, t'auras qu'à passer pour qu'on signe ça. J'ai hâte d'absorber Atlas dans la grande famille Maliwan. Oh, et amène Zéro. Je suis sûr que ça va l'intéresser. Plutôt crever que de donner les clés d'Atlas à ce guignol. Bon, changement de plan. Changement de plan. On vole une navette Maliwan avec les protocoles de sécurité. Tiens, prends ça. Alors, la clé vipère d'Atlas possède une fonction de piratage à distance. On va s'en servir pour voler une navette Maliwan. Ça te va ? Je le fais déjà dans ma tête. Mais sinon, ta moustache, tu peux me dire ce qui s'est passé ? On reste concentré, tu veux ? Trouve-toi une navette Maliwan et prends une clé vipère. Je m'occupe du reste. Ah, on va donc forcément aller là. On va essayer la... Besoin d'entrée sans invitation ? Pensez clé vipère d'Atlas. Moderne avant l'heure. Ouais, c'est bon. En force, hein? Un petit high five? Non? Bon, ok. Préviens-moi quand il sera. Prends ça, mon débile. Hum.
Inventaire plein. Mais à quel moment inventaire plein? Ah mais oui, j'ai oublié d'aller tout vendre. Oh le cave. Bon, c'est pas grave. L'essentiel c'est qu'on est là. Ah c'est ça donc les fameuses. Ah ouais. Allez go. Skywell 27. Donc c'est pas une planète, ça c'est un astéroïde chez moi. Mais bon. Est-ce qu'il y aura une autre planète en dehors de Skywell 27? Je ne sais pas. Il faudrait que je regarde vite fait sur internet, mais j'ai pas trop envie de me spoiler. Donc c'est vrai que c'est compliqué, mais on va quand même regarder. Donc Borderlands 3. Combien de planètes? Wow, ça c'est stylé. J'y suis. C'est sympa. Quoi? Ça a vraiment marché? Mais je veux dire, oui, bien sûr que ça a marché. Et pas de sphère de mort en vue. Des sphères de mort? Oublie ça. D'après les infos de Zéro, le fragment de la clé de l'arche alimente le laser. On doit juste trouver la salle de contrôle. Va à la porte principale. Il n'y a pas de sphère de mort. Ok, donc apparemment il y aurait une 5 planètes, dont une inconnue, mais ça c'est des trucs qui dataient avant que le jeu sorte. Et l'inconnue, ça m'étonnerait pas que ce soit cet astéroïde, donc après ça il resterait Eden et c'est tout. Donc nous voilà quand même sur un astéroïde, là on est sur du... Wow putain! Eh ben je vais vous dire, il va falloir quelques épisodes pour le finir celui-là. Je m'attendais à une petite zone et en fait, ben pas du tout. Pas du tout du tout, on est sur un truc quand même d'un autre niveau. Et en plus ils ont fait une gravité modifiée, c'est pas beau ça? C'est pas beau ça? Et puis regardez-moi ce paysage. Oh là 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 là. Ça c'est classe. Là, il y en a un autre vaisseau. C'est génial. Voilà pourquoi j'aime ce jeu. Ce côté space opéra, c'est juste fantastique. C'est pour ça que je regrette de ne pas avoir connu Mass Effect quand les Mass Effect sont sortis, parce que j'aurais kiffé. Mais c'est vrai que maintenant que c'est passé... Ce serait dur de faire les 3. J'ai eu essayé de faire le 1 sur Xbox One. Et ben vous savez quoi, le jeu était sympa, mais malheureusement, je trouve qu'il n'avait pas forcément bien vieilli et il était bourré de bugs sur Xbox One. Et du coup, ben, j'ai laissé tomber au bout d'un moment. Forcément, ça m'a gavé. Ok, bon, on va vendre. J'en ai marre de tout garder pour rien, donc je suis désolé, mais je vais dire la moitié des choses. Voilà, on a fait le tour, je crois. Et il reste ces trucs-là. Toujours un plaisir. Voilà, on va dans l'inventaire. On utilise ça. J'aurais peut-être dû vérifier mon équipement au niveau des munitions. Voilà. Ah, attendez. Non, 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 ça me va pas. On va tout de suite aller sur Sanctuary. Avant de commencer, je veux activer, faire augmenter mes possibilités d'inventaire. Parce que c'est bien beau, mais il faut le faire avant, pas après. Donc voilà. Voilà comment on va faire. Comme ça, j'augmente mon inventaire de 3. Peut-être qu'il me restera un peu d'argent, mais je crois pas, honnêtement. Parce que je crois que c'était au moins 22 ou 23 000. S'il m'en reste, je prendrai une extension de munitions. Sinon, tant pis, ce sera pour la prochaine fois. Le tout, c'est de bien trouver l'endroit. Alors. Théoriquement, ça doit être sur la droite.
Mais alors, où exactement? C'est là. C'est l'un des meilleurs stockages disponibles sur le marché. Oh non, 27 000, putain, fait chier. Est-ce que je peux vendre des trucs ou pas? Sans ça, t'es juste un glandu avec un presse-papier. J'aurai jamais de quoi vendre assez. Alors celui-là, c'est lequel? Parce que si je vends lui 1039, il me manquera 700, ok. Bon, à la limite, je peux le vendre. De toute façon, je suis pas fan de bazooka. Il me manque 1700. Ce snipe, c'est lequel que j'aime bien, le snipe? Ça, j'aime bien. Ça, c'est un bazooka, on peut le dégager. Parce que je veux pas vendre les armes vraiment que j'affectionne. Donc, le snipe, de toute façon, j'ai celui-là à 233. En fait, j'ai ces trois-là. Donc, on va voir lequel je préfère. Ok, bah c'est bon, on garde celui-là. Et les autres, les deux autres, on les vend. Plus le bazooka, normalement, on devrait être bon. Putain, je pensais pas que c'était si cher. Et c'est parti, 27 000. Un pas de plus vers ton véritable potentiel. 8 améliorations par truc. Je me demande comment on fait pour en arriver à un tel stade. Dans le sens où on est déjà à 81 000 dollars. Prêt à bosser. Mais bon, comme il dit, on est prêt à y aller. Donc c'est parti, vue orbitale. Ah merde. Il n'y a pas de téléporteur sur la planète. Ah si. D'accord. J'ai eu peur. C'est parce qu'en fait, ça fait partie de la planète. Donc, du coup, c'est pas considéré comme une cinquième planète. Donc, du coup, il devrait y avoir 5 planètes. Et je vois quand même qu'on a déjà 2 quêtes annexes sur cette planète. 3 endroits pour vendre. Enfin, on va avoir pas mal de choses à faire. Allez, on y go. Et nous y voilà. Le fameux astéroïde. C'est parti, on va pouvoir vraiment attaquer l'aventure sur cet astéroïde. Ça, c'est génial de pouvoir changer. C'est ouf quand même. Je viens à peine de reprendre le jeu hier ou avant-hier pour les vidéos. Et en l'espace de 2 jours, j'ai fait 2 nouveaux environnements. Donc c'est génial. C'est le Zalara, le yacht personnel de Katagawa. On raconte qu'il aurait invité sa famille à bord pour tous les tuer. C'est comme ça qu'il a réussi à se retrouver à la tête des fusions et acquisitions chez Maliwan. Bon, tant que j'y pense, fais gaffe avec la pesanteur. Tu vas devoir t'habituer. Tu m'étonnes qu'il va falloir s'habituer. Mais c'est génial, c'est génial. Ça change tout dans le gameplay, une pesanteur. Tu te dis j'arriverai pas de l'autre côté, et finalement bim, tu arrives. Alors quand est-ce qu'on va avoir des ennemis? Ah ça y est. Donc j'imagine qu'il faut trouver le moyen d'ouvrir la porte. Olé. Je ne pourrais pas arriver de l'autre côté, évidemment. Ça va de soi. Mais ce n'est pas grave, nous allons pouvoir continuer cette exploration. Ah ouais, c'est quand même un sacré environnement. Oh, regardez. Des monstres, enfin des...
Alors montre-toi. Mais qu'est-ce qu'il fait là, lui ? Quelle horreur, regardez-moi ça. C'est sa cervelle. Sans déconner. Mais quelle horreur. Mince. Et ben où il est passé ? Il y en a encore un là-haut. Wow, mais regardez-moi ça. Genre, il y a des réacteurs dans les astéroïdes voisins. Et ils avancent grâce à ça. C'est un truc de malade. C'est super beau. C'est un paysage lunaire comme ça. Oh, regardez-moi ça, il y en a encore un là-haut. Voyons voir ce qu'on a par ce côté. Après toujours le même fonctionnement, il faut récupérer le maximum de munitions pour ne manquer de rien et dépenser le moins d'argent possible, surtout que j'ai plus rien d'argent d'ailleurs. Mon inventaire, il est vide, j'ai tout vendu. Ok, on est où là? Ah d'accord, je pense que je sais où ça mène. Oh. Va venir chialer. Reste en contre. Voyons voir si c'est ce que je pense. Et c'est ça. Ça mène tout simplement à la porte qu'il y avait un peu plus haut. Est-ce qu'on va pouvoir l'ouvrir? Bien évidemment. J'aurais bientôt ouvert 1500 coffres. C'est énorme. C'est énorme. Du coup, là, on doit aller plus bas, je suppose. Je suis remonté un peu pour rien, parce que bon. Il n'y en avait pas forcément besoin, mais c'est pas grave. On doit aller par là. Olé. Vous avez vu? Moi je les ai vus. Oh oh, il y a des agents de sécurité un peu plus loin. Occupe-toi d'eux. Je vais faire en sorte qu'ils puissent pas appeler de renfort. Bon, j'ai battu le plus fort. Si je t'avais pas tué, quelqu'un d'autre l'aurait fait. Il n'y en a pas d'autre? Si, là-bas, regardez.
Putain, je l'ai raté. Bon allez, j'ai pas resté à 3000 ans. Sinon ça va me gaver. Ils sont où? Il est là-bas. Il y en a un qui a une arme plutôt puissante ici. Ah ouais, d'accord. Ah, j'ai pris cher apparemment. Qu'est-ce que c'est encore ça? Vas-y! Ça y est, je l'ai eu. Qu'est-ce qu'on a d'autre à proximité? On a lui là, regardez. Il croit pouvoir prendre la fuite. Et le pire, c'est qu'il va y arriver. Je l'ai eu. Et maintenant, est-ce qu'on a d'autres ennemis ou c'est fini? Il y en a d'autres. Vous voyez, si je faisais de demander, ils me répondent. C'est pas beau ça? C'est génial. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bah on va aller de l'autre côté. Hein. Oh, ce que je l'ai mis dans la tronche. Putain, je les aime pas ceux-là. C'est encore un de ces gros là. Je l'ai fait se casser la gueule. Adieu. Oh l'enfoiré. C'est bon, vous en voulez encore ou... Il y en a encore, j'y crois pas. Ça y est. Oh, excellent zigouillage. Je vais t'aider à entrer. Branche une clé vipère dans la console pour que je puisse pirater la sécurité et trouver le fragment. T'inquiète, t'inquiète. Laisse-moi juste récupérer ce qu'il faut. J'ai pas été là-bas. La salle de contrôle du laser. Ah ouais, ce serait dommage de passer à côté de petites choses aussi sympas. Parce que j'ai pas envie d'y revenir juste pour découvrir la carte que j'ai mal découverte.
Donc, il faut le faire dès maintenant. Là, par exemple, vous voyez ce qu'il y a là? Il y a quelque chose là-haut. Il faut trouver comment monter là-haut et y aller. Et faire gaffe parce que là-bas, du coup, il y a des mobs en plus. Voilà, la quête elle est ici. Hey, j'ai besoin d'aide. Ah, oh, c'est un espion. Bouge pas d'ici. Aidez-moi à mettre fin à cette guerre. Faites pas gaffe à l'uniforme. Je suis un agent d'Atlas infiltré. Mon équipe était sur la piste de renseignements ultra précieux, mais le plan a capoté. J'ai réussi à m'enfuir. De justesse. Mais les soldats d'Atlas ne meurent jamais. Enfin, moi si. Très bientôt. Mais d'abord, je vais accomplir ma mission. Dans un râle d'agonie. Ah, je me meurs. Ah, pardonnez-moi. Et mes agents. C'est pas la digne place d'un sniper, ça? Le truc qu'on cherche, c'est un enregistrement secret de Katagawa et des Calypso. J'espère que ça en vaut la peine. Putain, il va me toucher, l'enfoiré. Ça y est, je l'ai eu. Radez, radez, radez. Qu'est-ce que vous voulez qu'il me fasse contre moi? Voilà, ensuite. Je lui fais pas beaucoup de dégâts là par contre, alors on va faire ça. Non, je fais pas assez de dégâts. Bon écoutez, vous savez quoi? On va faire un truc. Hop. Voilà, moi je pense que ça c'est ce que j'appelle de la méga miniature. On va s'arrêter sur cette image, j'espère que la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à lâcher un maximum de commentaires et vous abonner. Et du coup, on se retrouvera demain pour la suite de l'aventure. Allez, bye bye.